Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Train Simulator 2018 et bienvenue pour cette découverte de la ligne Train des Merveilles créée par Zawal et son équipe. C'est tout simplement la ligne, donc ça reprend le tracé de la ligne de Nice à Breil-sur-Roya et Tende, enfin plus exactement de Nice à Tende via Breil-sur-Roya. Sur cette création, on ne part pas de Nice malheureusement, on part du PK9 en gare de Drap et on nous propose le parcours jusqu'à Breil-sur-Roya, puis le parcours de Breil-sur-Roya à Saint-Dalmat-de-Tende. Alors la ligne rejoint la ligne franco-italienne Vintimille-Tende au niveau de Breil-sur-Roya, en fait ça fait un genre de Y. Donc l'axe principal sur cette création là, c'est Drap, Breil, Saint-Dalmat-de-Tende, et on a également un petit morceau de la ligne Vintimille à Cuneo entre Vievola et Saint-Dalmat-de-Tende. On est aujourd'hui avec, comme vous voyez, une unité multiple de BB67400 créée par Pierre G. Donc elle date un petit peu, et en plus ce sont des machines converties de Trends, mais malheureusement, alors j'aurais bien voulu utiliser un X2200 ou un XGC sur cette ligne. Malheureusement, il ne fonctionne pas correctement. J'ai des problèmes soit de traction, soit d'inverseur, donc c'est un petit peu bizarre. Du coup, il ne me restait plus grand chose. Les 67400 étaient du coup le dernier choix qui s'offre à moi. Alors on est en unité multiple et nous avons une Amtrak T, nous allons la découvrir, enfin la redécouvrir parce qu'on l'a vu dans l'introduction. Nous avons une Amtrak T de Corail TER Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc c'est les voitures de SimExpress. Je vais d'ailleurs déverrouiller mes portes. Alors toutes les portes ne s'ouvrent pas parce que je crois qu'il y a un souci par rapport au quai. Donc là il n'y a que la dernière voiture qui est ouverte, mais c'est pas grave. Donc ce sont les voitures de SimExpress, voiture Corail VTU TER. On a 4 voitures, donc c'est vrai que le choix de l'unité multiple peut paraître un petit peu disproportionné, mais on a quand même un profil qui est un petit peu délicat, du moins sur la première partie de la ligne. Jusqu'à Sospel, ça monte quand même pas mal. Donc il y a quand même une différence de dénivelé de près de 1000 mètres, puisque... alors je sais pas à quelle altitude nous trouvons, mais en tout cas on part de Nice plus ou moins du niveau de la mer, et la ligne se termine au niveau du col de Tende à plus de 1000 mètres d'altitude. On va donc... ça justifie donc en partie le choix de l'unité multiple. Désolé pour le placement de la caméra. On va donc prendre place à bord de la locomotive de tête. Alors au niveau de la cabine, c'est la bonne cabine, puisqu'il y a également des versions avec la cabine de la classe 47, donc bon, là non, quand même pas. Donc c'est vraiment la cabine de la 67400, bon, cabine un peu simplifiée. On a vraiment de fonctionnel que le contour et l'indicateur de vitesse. Alors c'est suffisant, hein, c'est suffisant pour jouer. Ensuite à gauche on a le KVB, les manomètres de frein, les commandes des freins, le manipulateur de traction, la boîte à levier. Au centre, la boîte à pictogramme. Donc là on a déjà vu. À droite, la radio sol train, la commande pour l'avertisseur. Bon, voilà un peu ce qu'on a. Alors je vais devoir jouer avec le HUD simplifié, parce que malheureusement la cabine on peut pas l'éclairer, et il y a énormément de tunnels. Donc bon, faut quand même que je puisse surveiller un petit peu ma vitesse. Donc je vais jouer avec le HUD simplifié. Alors, mise en avant de l'inverseur. Bon, là on entend un son d'un système anglais visiblement. Bon, ça c'est un, on va dire c'est une petite erreur, mais c'est pas très très grave, parce que je crois que les sons sont ceux d'une autre locomotive. Alors là, j'en vois quand même pas mal au niveau de la traction, parce que ça se voit pas forcément, mais on est quand même en montée. Et il faut quand même pas mal de puissance pour décoller notre train. On est limité à 30 en sortie de gare pour passer l'aiguille, les aiguilles même, qui sont juste à nos côtés, juste là. Ensuite, nous prendrons le tunnel du moulin de Cantaron.
Alors c'est un petit scénario que j'ai fait, c'est vraiment la première fois vraiment que je fais un scénario de A à Z. Bon, il n'y a rien de très extraordinaire à part le croisement avec la caravelle que vous avez vu au début. Mais c'est surtout pour ajouter des trains croiseurs dans les gares. Alors c'est une ligne à voie unique sur quasiment l'intégralité du parcours. Et donc voilà, il y a un quick drive qui existe. Alors on arrive sur le pont sur le paillon. On va essayer de faire une petite vue extérieure. Prendre la caméra libre. Voilà. Voici le pont sur le paillon. Donc oui, il y a un quick drive qui est disponible, mais il y a aucun matériel IA dessus. Donc du coup, je me suis décidé à faire un petit scénario. Et alors, j'en ai pas parlé, parce que j'ai pas encore eu le temps. Alors, nous allons passer la halte de Fontani dans quelques instants. Alors normalement, oui voilà, là on autorise à 70, on va accélérer un peu. Donc, nous allons faire le trajet, dans un premier temps, jusqu'à Breil-sur-Roya. En marquant l'arrêt en gare de Sospel. Puis il y aura une seconde vidéo de Breil-sur-Roya à Saint-Dalmat-de-Tende. Je vais le faire en deux fois, ça vous fera des vidéos un peu plus courtes parce que c'est à peu près une heure de trajet. Entre trois quarts d'heure et une heure, mais bon, avec sans s'arrêter, je pense qu'il y a moyen de mettre 45-50 minutes. Mais là, moi j'ai quand même deux arrêts et ouais, vous mettez à peu près une heure. Tout dépend comment vous roulez aussi. Donc voilà, je vais faire deux vidéos. Breil-sur-Roya, c'est pas tout à fait le... C'est quand même pas la moitié du parcours. Hein. C'est... Disons que dans cette vidéo, on va simplement faire la ligne jusqu'à Breil-sur-Roya. Et ensuite, ce sera... on fera un morceau de la ligne Vintimille-Cuneo. Entre Breil et Saint-Dalmat-de-Tende. Entre Breil et la frontière italienne, tout simplement. Donc là, c'est la halte de Fontani. Alors, si vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de tunnels sur Marseille-Martigues, je vous rassure, ici, il y en a beaucoup plus. Tunnel de la Ribosse, actuellement. Donc il y a énormément d'ouvrages d'art sur cette ligne et à mon sens c'est ce qui en fait en partie ce qui fait l'intérêt de cette ligne. Le tunnel de Thué maintenant. Énormément d'ouvrages d'art, de viaducs, de tunnels. C'est ça alterne comme ça. Surtout la première partie de la ligne jusqu'à Breil. Après il y a. Ouais si, il y en a quand même aussi sur la partie supérieure. Nous arrivons maintenant sur le viaduc des morts. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je regardais mes fiches, donc du coup, j'ai pas vu, mais on vient de rentrer dans le tunnel de Châteauvieux. Puis le viaduc des Brochets, là, qui devrait pas tarder à apparaître. Ah oui, on va arriver à Payon. Attendez, je regarde la vitesse limite. Non, c'est 70, il me semble, à Payon. Oui, c'est ça. Alors j'ai vu quelques vidéos de la vraie ligne et globalement ça a l'air plutôt fidèle au niveau de la réalisation. C'est vraiment très très soigné comme travail, pour vous donner un point de comparaison, c'est du même niveau que Marseille-Martigues. C'est d'ailleurs les mêmes assets qui sont utilisés il me semble, à savoir l'LGV Marseille-Avignon et le European Asset Pack. Alors, on devrait arriver sur le viaduc de la Lona.
Il doit être un peu plus loin, à moins que ce soit celui-là, je sais plus. J'ai pas la longueur en plus. Donc voilà, ligne vraiment très sympa au niveau décor. Il y a vraiment de quoi, si vous aimez faire des captures d'écran, je pense que c'est une ligne à avoir. Alors après, on est un peu plus limité au niveau scénario. Alors le tunnel de la Luna. On est un peu plus limité au niveau scénario. Alors c'est pas du tout la faute de l'auteur, hein. C'est la ligne qui est comme ça. Du fait que ce soit une voie unique, et à la base c'est plutôt une ligne d'intérêt local, on va dire, qui est pratiquement une ligne touristique aujourd'hui. Alors on va aborder le viaduc d'Adrecha. J'espère que je prononce bien. Je prononce ça à l'italienne, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Donc oui, on est un peu limité au niveau scénario, on va être limité en gros à du voyageur. Alors soit un ram tracté comme maintenant. Ah oui, on va arriver sur Pei, on va faire attention à la vitesse. Vous serez limité donc à du voyageur, soit du voyageur en ram tracté comme on est là maintenant. Soit éventuellement avec l'XGC. Mais vous ne pourrez pas tellement faire de la marchandise sur cette map. Alors normalement, si j'ai bien suivi, on est dans le tunnel de Buis. Je commence à ralentir. J'ai un peu trop ralenti pour le coup. Mais je sais qu'après on a une zone 30. Ah ouais, on a un autre tunnel qui est le tunnel de Noguere. Voilà, c'est celui-là. Et ensuite on a la gare de Pei, limitée à 30 km/h, donc voilà, c'est bon, parfait. Donc j'ai un peu perdu, je me suis un peu perdu dans mes explications. Du coup je fais une petite aparté, globalement la ligne, enfin c'est pas globalement, la ligne est fluide. J'ai pas une configuration de fou et enfin j'ai une configuration correcte. Mais j'ai pas non plus la dernière carte graphique et je tourne à 45-50 fps sans trop de soucis. Donc pas de problème de ce point de vue là. Et donc oui, je disais, on sera un peu limité au niveau scénario, notamment train de fret. Alors il y avait des trains de marchandises qui circulaient sur cette ligne. Mais bon, alors vous pourrez toujours les faire circuler, ça il n'y a pas de souci. Mais évidemment, il n'y a pas de triage ou de port, c'est pas comme sur Marseille-Martigues où vous pouvez bien éventuellement sur le haut de la map, vous avez le port de la Vera, le dépôt de Caronte, etc. qui permettent de faire un petit peu de triage, un petit peu de fret. Là, ça, à part faire la ligne en fret, vous pourrez pas faire grand chose. Mais à part une fois, c'est pas la faute de l'auteur, hein. C'est la ligne qui est comme ça et qui à mon sens est faite pour le voyageur et pas pour le fret. On a un Autorail X 2200 rénové sur notre droite. Et nous allons entrer dans le tunnel de Coletta. Alors, il est encore à 30 ce tunnel, oui. C'est pas 8 par contre. Et là on sent que ça monte, hein, parce que vous voyez, à peine on coupe la traction, on perd énormément de vitesse. Et là je suis à fond, hein, pour info. Donc, pour aller jusqu'à Sospel, je pense que c'est la partie où ça monte le plus. Même si c'est pas forcément une rampe très importante, mais après les corails de Sim Express, surtout les versions VTU, enfin VTU et VU, sont assez lourdes au niveau de la traction. Alors ce problème là a été réglé sur les Lunéa, mais c'est vrai que sur ce matériel là c'est un peu délicat. Et bon, le profil de la ligne évidemment n'aide pas.
Alors, nous sommes sur le viaduc de Fakin, j'espère que je prononce bien. Et on va entrer dans le tunnel de Molin Novo. Ah, mais c'est toujours pas 60. Ah ouais, c'est là, 70. Voilà, on peut reprendre notre vitesse de 70 km/h. Alors, le prochain tunnel, c'est le tunnel de Vera. Au niveau des vitesses limites, on a la plupart du temps 70 km/h, quelques zones à 80 et une zone à 100 km/h dans le tunnel de Brose. Ah, vraiment, au niveau du... la texture du paysage, du relief, c'est moi, c'est une ligne que j'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça doit faire quelques jours au moment où je tourne la vidéo, bah, une semaine à tout casser. Et ça va devenir, je pense, ma ligne préférée avec Marseille-Martigues. Le viaduc, j'ai perdu le nom, désolé. Le viaduc d'Herbosera est là maintenant, le tunnel de Sant'Agosta. Ah, ça s'enchaîne vite, donc j'ai un. Sur ma tablette, là, j'ai une petite fiche récapitulative des points caractéristiques et ça s'enchaîne assez vite. Et des fois, je suis un peu perdu. Des fois, le temps de regarder le tunnel ou le viaduc est déjà franchi. Ah oui, 700 mètres, oui, voilà. Je me disais, il est long ce tunnel, mais oui, c'est normal. Alors là, c'est le tunnel de Duera, pardon. J'espère que je prononce bien. Maintenant, le tunnel de l'Écluse, long de 136 mètres. Alors malheureusement, j'ai pas les longueurs de tous les tunnels et de tous les viaducs. Et nous approchons de l'Escarène. On n'y est pas encore, on y sera dans 3 km à peu près. Bon voilà, c'est vraiment une ligne... Finalement, c'est une ligne balade, entre guillemets. Alors tout dépend des trains que vous remarquerez dessus. Mais c'est vraiment, voilà, c'est la ligne balade, entre guillemets, par excellence, où... il est quasiment interdit de mettre autre chose que du beau temps et que l'été. Mettre l'été et soleil, voilà, au niveau de la météo. Alors voici le tunnel de Breg, je sais pas comment on prononce, il y a un C à la fin, B-R-E-C.
Et à la sortie, nous aurons le viaduc de l'Escarène. Voici le viaduc de l'Escarène. Ah, par contre, on va avoir du 30 là. Bon, je pensais pas que la limitation serait aussi tôt. Bon, je pensais qu'elle serait juste avant la gare, mais en fait, elle est sur le viaduc. Ah bah oui, parce que la gare est juste là. Donc, nous passons la gare de l'Escarène, quasiment à l'arrêt. Ça, c'est mon coup de frein car j'ai un peu trop freiné. Bon, le 30 km/h, il a été un petit peu, disons, un petit peu dépassé. Alors, on annonçait avec 2 minutes de retard à Sospel, ça commence. Pourtant, j'ai réajusté les horaires, mais après, j'ai parlé au début de la vidéo, on n'est pas parti tout de suite, donc je pense que c'est pour ça. Oh oh, on est un peu limite là. Voilà. On a le voie libre, tout va bien. Ok, on peut reprendre à 70. Alors après, c'est une ligne qui peut être assez sympa pour tester un petit peu les locomotives, notamment les diesels sur du fret ou du voyageur lourd. Et je pense notamment à l'Euro 4000, ça pourrait être intéressant de faire du fret sur cette ligne là, parce que le profil est quand même assez délicat. Alors, Touette de l'Escarène, je crois qu'il faut prononcer comme ça, donc c'est une halte. Donc oui, ça va devenir une ligne assez intéressante pour tester les locomotives du fait de son profil. Et je suis assez impatient, alors même si c'est pas pour tout de suite, je te passe un peu la vitesse limite là. Voilà. Ok, on pénètre dans le tunnel du col de Brosse. Oui, ça sert plus vraiment à rien de klaxonner maintenant. Donc on est autorisé à 100 km/h. Je sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais bon. Peut-être parce que
le tunnel est relativement droit et ça doit être un des plus longs, c'est le deuxième plus long, enfin c'est le plus long de la ligne de Nice à Breil-sur-Roya puisqu'il mesure 5938 mètres. Après vous avez le tunnel qui marque la frontière entre Saint-Dalmat-de-Tende et Tende qui mesure lui près de 8 km. On dépasse un petit peu. Alors on a passé le col normalement, donc là on va être en descente. Alors il y a des petits bugs de distance d'affichage. Ce que vous voyez au bout là, c'est pas la sortie. C'est pas le portail de sortie, c'est une limite du jeu. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas très grave. Et alors oui, alors avant que je sois interrompu, je disais, j'attends avec impatience, même si c'est pas pour tout de suite, la CC72000 de Sim Express. Même si je pense que dans la réalité, elle roulait peut-être pas sur cette ligne-là, mais ça pourrait être très intéressant de la faire rouler ici avec un gros train de fret, avec plusieurs centaines de tonnes. Histoire de voir ce dont elle est capable et puis de corser un petit peu la difficulté. Mais déjà avec les 67-400 et 4 voitures, je vais pas dire que c'est difficile, mais il faut quand même faire un petit peu attention. C'est sûr qu'avec un XGC, ça serait bien plus simple, bien plus confortable, parce qu'en plus on aurait la vitesse imposée. Enfin voilà, là c'est clair que c'est un peu à l'ancienne avec la 67-400, mais moi j'aime bien aussi. Donc alors, à la sortie du tunnel, on sera limité à 80 et ensuite on arrivera sur Sospel qui est notre premier arrêt. On voit le 80 sur le HUD. Alors, il me semble pas qu'il y ait de. J'ai pas vu de TIV sur cette ligne, du moins très très peu. Donc de pancarte, tableau, indicateur de vitesse. Donc à mon avis, c'est uniquement la connaissance de ligne. Alors pendant qu'on continue notre progression dans le tunnel, je peux peut-être parler un peu de la ligne, ou j'attendrai d'être en gare, je sais pas. Alors la ligne a été mise en service en 1928 pour relier Nice à la haute vallée de la Roya et également à Turin via Cuneo. Et parallèlement, les Italiens ont construit la ligne de Ventimiglia à Cuneo qui a la particularité d'évoluer partiellement en France entre les communes de Vievola et Tende. Donc ça c'est une particularité locale. On va freiner pour prendre le 80 quand même. Donc mise en service en 1928, il y a eu des essais également d'électrification côté italien. Quand je dis côté italien, c'est sur la ligne de Ventimiglia à Cuneo, mais pas forcément sur le territoire italien. Donc bon, sur cette ligne franco-italienne, il y a eu des essais d'électrification en 3000 volts alternative 16 Hz 2 tiers, il me semble, dans les années 30 et 40. Puis ça a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois par les Allemands, enfin par les Français, par les Allemands, par les Italiens eux-mêmes, il me semble. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, lors de la prochaine vidéo, du moins lors de la deuxième vidéo entre Breil-sur-Roya et Saint-Dalmat-de-Tende. Alors là, évidemment, on est en descente, on a franchi le col de Brosse. Et nous arrivons donc à Sospel. On va commencer à ralentir parce que nous marquons l'arrêt. Bon, on est 3 minutes en retard, c'est pas très très grave.
Alors la gare peut être franchie à 60 km/h ici si on veut, si on s'arrête pas. Alors 60 km/h, je pense que c'est uniquement sur voie principale par contre. Sur voie déviée, je pense qu'on aurait un 30 pour l'aiguille. Le chevron est disposé en bas. On prend donc la voie directe. Et nous avons un autre train qui attend pour continuer vers Nice avec une 67-400 et une rame réversible régionale. On va s'arrêter tranquillement. On ouvre à nos passagers. Alors, est-ce que les portes se sont ouvertes correctement? Là, oui. Ah non. J'ai des petits soucis avec les portes, mais je pense que c'est dû au quai. Je pense que le jeu doit penser que je m'arrête trop loin. Donc, du coup, je pense qu'il va avoir ouvert uniquement la dernière voiture. Non, même pas d'ailleurs. Ah, mais c'est l'avant-dernière, celle-là. Ouais. Je crois que c'était ça, mais là, ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que j'ai des soucis de... Des petits problèmes de compatibilité, on va dire, avec les quais. Mais bon, c'est pas bien méchant. Alors, nous allons quitter Sospel. Et nous allons passer le viaduc de la Bévéra. Qui a une petite particularité, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je remets en place ça. C'est en fait tout simplement franchi le. Enfin, la vallée est tellement étroite à cet endroit-là que la structure pour le soutenir est perpendiculaire au pont. Donc, c'est un point un petit peu caractéristique. On va voir ça dans quelques instants. Donc là du coup on peut repartir normalement à 60. Je crois qu'on a repris le 80, mais il me semble bien que c'est 60 pour moi. Ah non, c'est 80, autant pour moi. La gare de Sospel, elle peut être franchie à 80 km/h, pas à 60. Alors ça doit être la seule avec Braille. On va ralentir parce que on va avoir une vitesse limite 40. Je vais même freiner fort parce que sinon le 40 on va le dépasser. On va avoir une vitesse limite temporaire, enfin pour chantier, pour travaux. Voici la vitesse limite, vous voyez le 40 avec le disque jaune. Et donc l'exécution elle est un tout petit peu plus loin. Alors on est en descente, on va essayer de faire attention de ne pas dépasser la vitesse limite. A priori, on est sorti de la zone. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu le disque blanc. Je pense que je regardais ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ah non, c'est là. Mince. Bien ce qui me semblait que la zone à 40 n'était pas terminée. Petit souci avec le HUD. Qui me marquait 80.
Voilà, et là, à la sortie de la courbe, on aura franchi la zone à 40. Alors, ça s'emballe vite hein, en descente, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, on peut reprendre notre vitesse. Alors, je vais pas accélérer trop vite parce que je voudrais vous montrer le viaduc de la Bévéra. On va se mettre en marche sur l'air, c'est très bien. Oh, on va quand même passer un ou deux crans parce que on va peut-être trop ralentir sinon. Voilà. Et en fait, voilà, la vallée est tellement étroite à cet endroit-là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà le viaduc qui arrive. Ah, ça doit être légèrement plus loin. Voilà, ça doit être là. Sauf que c'est de l'autre côté. Je sais pas si je vais réussir à le montrer là. Bon. Bon, c'est un peu loupé là, désolé, je voulais vous montrer, mais je le mettrai en miniature de toute façon. Donc on est dans le tunnel du Mont-Grazian maintenant, on va peut-être accélérer par contre. Ah, quoique, non, en fait non, c'était bien. Tunnel du Mont-Grazian, donc d'une longueur de 3881 mètres. Et donc pour le viaduc de la Bévéra, oui, je voulais vous montrer le système de support, enfin l'arche qui supporte le viaduc, qui est perpendiculaire à l'axe tout simplement. Parce que la vallée est beaucoup trop étroite à cet endroit-là. Et je pense que c'est ce que je vais mettre en miniature. Parce que j'ai un petit peu échoué dans mon placement de caméra. Et on se rapproche tout doucement de Breil, hein. Nous sommes à, comme vous voyez, à 5-6 km. En fait, il faut qu'on passe le tunnel du Mont-Grazian. Alors, on va arriver en retard, évidemment. 5 minutes de retard, à peu près. Ça, c'est un petit peu du fait de rouler assez lentement par moment. Notamment pendant les vues extérieures. Mais bon, on n'est pas là pour faire le scénario à la minute près. Et on va sortir du tunnel pour arriver sur le viaduc d'Arbousset.
le viaduc d'Arbousset, ensuite ce sera le viaduc de du Bankau, le tunnel du même nom également. Et ensuite nous arriverons, on est en train d'arriver tout simplement sur Bray. Le tunnel du Bankau, on a un signal qui peut éventuellement présenter le ralentissement 30 pour la voie déviée, c'est pas le cas ici. Donc normalement on doit pouvoir passer à 60 dans Bray, mais nous de toute façon on s'arrête. Il y a le tunnel de 40 hein, quand même avant la gare. Donc nous normalement on est reçu sur voie principale, donc non dévié. Alors je sais pas pourquoi il y a ce 30 sur le HUD, sachant que le ralentissement ne nous est pas présenté. Donc par conséquent le rappel il n'est pas censé être présenté non plus. Donc c'est peut-être le 30 pour la voie qui arrive de Vintimille et le HUD l'interprète comme s'adressant à nous. Parce que normalement la traversée de la gare c'est 60. Ce coup-ci je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Alors ce tunnel là mesure 918 mètres, 9, oui c'est ça, 918 mètres de longueur. Et on arrive à Bray, signal à voie libre. À droite, vous voyez la ligne le raccordement de la ligne en provenance de Vintimille. On va peut-être mettre un peu de traction quand même. Donc là ici c'est la ligne en provenance de Vintimille. Et donc Bray-sur-Roya marque la fin de la ligne Nice-Bray-sur-Roya. PK 44 086, donc 44 km de Nice. Et c'est également le point kilométrique 77 716 de la ligne de Vintimille à Cuneo. Donc on est à, alors je crois que le PK0 c'est Cuneo, donc on est à 77 km de Cuneo. Donc là on a du 30 et vous voyez d'un seul coup on reprend 60, donc je pense que c'est un souci du HUD parce qu'on n'a pas eu le ralentissement 30, donc normalement je vois pas trop la raison de ce 30 à cet endroit là, mais c'est pas bien méchant. Et on a une autre rame qui attend, 67 400 en livrée multiservice et 6 voitures TER. Alors c'est un peu démesuré des rames tractées aussi grosses sur cette ligne, mais ça le fait, ça va, c'est quand même assez réaliste, même si je pense que c'est plutôt des autorails qui circulent sur cette ligne. Et nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très vite pour l'épisode 2 sur cette ligne. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, l'épisode 2 qui nous conduira jusqu'à la frontière italienne. D'ici là, alors je sais pas s'il va sortir tout de suite, il y aura peut-être une vidéo sur OpenRail entre-temps. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.